3D20. N'oublie pas de me la ramener, hein. Bah. Ah, je me disais aussi. 3D1. Oh, c'est tombé dans les escaliers. Mince. On n'avait pas l'habitude de ça. C'est bon, tout va bien? Ah, tout va bien. Je comprends pas pourquoi tu fais tout le tour comme ça. Hein? Pourquoi tu fais tout le tour? 3, 2, 1. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, le moral, ça va un peu mieux. Et c'est vraiment grâce à vous. Et c'est grâce aussi au soleil de Marrakech, parce que la vérité fait trop, trop beau et trop, trop bon. Donc, c'est agréable. Je voulais vous dire aussi que je vais reprendre petit à petit les réseaux. Je vais reprendre aussi petit à petit les collaborations avec les marques. Parce que... je me tiens d'honorer mes engagements avec les marques, que ce soit pour les marques, que ce soit pour vous, les marques que vous me demandiez, que ce soit aussi pour moi. C'est des marques que j'apprécie énormément, les marques avec qui je collabore. C'est des marques qui ont été là aussi, qui m'ont apporté leur soutien. J'ai déjà planté pas mal de postes ces derniers jours et les marques ont été hyper compréhensives. Donc je suis compréhensive à mon tour et même si je ne suis pas en pleine forme. Comme on s'est dit, je vais de l'avant, je vais reprendre mon quotidien. Je ne sais plus où ça a coupé, mais voilà, je vais essayer de reprendre ma vie tranquillement, petit à petit. Je vais continuer de vous emmener de partout avec moi. D'ailleurs, là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 14h. Je dois aller faire un scanner. Je vous expliquerai un peu plus tard pour l'histoire du scanner, puisque bref, voilà. Et voilà, on y va quoi, on y va. Bonne journée à tous, je vous fais plein un milliard de millions de milliers de billards de trillions de bisous et de câlins. Voilà, parce que tout ce que vous m'avez apporté cette nuit, je vous jure que tout ce que j'ai lu cette nuit, mais ça m'a rempli de force. Vraiment, vous m'avez rempli de force. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui disent, mais regarde-la moi, celle-là, elle pleure sur les réseaux, mais qu'est-ce qu'elle a, elle raconte sa vie sur les réseaux, mais je vous garantis que quand tu as l'habitude de parler, de montrer ta vie sur les réseaux, je vous garantis que quand il y a un problème qui t'arrive, quand il y a quelque chose qui te pèse, les réseaux, c'est comme un journal intime. Alors, c'est comme un journal intime public, certes, mais déjà de un, ça libère d'un poids parce que tu parles, tu te soulages, et en plus de ça, quand tu as une communauté incroyable comme celle que j'ai, tu reçois tellement de force et de soutien en retour que je te promets que t'as qu'une envie, c'est de parler et qu'on te soutienne et qu'on te booste en fait. Parce que réellement, si aujourd'hui là je suis dehors en train de prendre le soleil, c'est grâce à mes proches, c'est grâce à ma famille, mes amis, mais c'est aussi grâce à vous. En grosse partie, grâce à vous. Vraiment. C'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment réel. Donc voilà. On va faire cette petite journée ensemble et on va continuer de faire toutes nos petites journées ensemble. Bisous, bisous. Alors, je vous explique. J'ai acheté ce harnais pour Lily, pour qu'elle puisse profiter du bel extérieur. Mais mademoiselle ne veut absolument pas que je lui mette. Alors, j'ai réussi à lui mettre, mais...
et elle a pété un boulon. Elle a pété un boulon. Elle veut pas. Donc, bah, je vais pas forcer le truc, c'est pas grave, elle reste dedans. Puis voilà, hein. Bon, je vous donne des nouvelles pour mon scanner. Donc déjà, Dieu merci, tout va bien. Donc le médecin, il m'avait conseillé d'aller faire un scanner parce que comme je vous ai dit, j'avais des étourdissements, des vomissements, des migraines qui ne passent jamais. Je vais voir mon crâne en... Donc il voulait être sûr qu'il n'y avait pas de caillots de sang. Parce que, étant donné que demain je prends l'avion parce que je rentre en France, à la base je devais rentrer le 5, mais je vais rentrer avant parce que je veux rentrer auprès de ma famille, je veux surtout rentrer pour rassurer ma maman. Bon, bref, c'est le crâne comme on apprend au collège, c'est exactement la même chose. Et du coup, le médecin m'a dit que si je voulais prendre l'avion, il fallait à tout prix que je fasse un scanner avant parce que c'est très 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 dangereux de prendre le risque de prendre l'avion si on ne sait pas si on a des caillots de sang dans la tête ou quoi que ce soit. Donc c'était préférable de faire un scanner. Et du coup, ce qui me fait des vertiges, ce qui me fait perdre l'équilibre, ce qui me donne toutes ces migraines, etc. Alors c'est le fait... Alors, on a un liquide qui vient dans la tête, je ne me rappelle pas du nom vraiment. Et on a des cristaux aussi dans les oreilles. Donc, tout ça, c'est bah, tout ce qui fait les migraines, les vertiges, etc. La vérité, j'essaye de vous faire un petit résumé, mais je n'ai pas tout compris. Mais voilà, tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ça va. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Attends, doucement. C'est la tournée. Tiens bébé. Tiens maman. Oh là là. Oh là là. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai pas de force dans la main. Tu as tout pris. Oui, tape des pieds, tape des pieds. Tape des pieds. Tiens. Tiens maman. Merci. Pour une fois que j'ai quelqu'un qui met de chaleur les carottes. Finalement les jambes.
Chouffe l'obstacle, on t'a dit. Regarde l'obstacle. Et hey. كمل ما جيتيش لوسط ما جيتيش لوسط